Salut tout le monde, c'est Thomas Soli, on se retrouve aujourd'hui sur One Piece Keizoku Musou 3, Pirate Wars 3 pour l'épisode numéro 9 du Let's Play. Donc la dernière fois on s'était arrêté à Alabasta. Donc on avait battu Crocodile, le Shichibukai. Donc là on arrive, et il me semble que là c'est la ville en fait où Luffy se bat contre Bellamy. Donc en fait c'est juste avant Skypiea en fait. Donc voilà, donc on va lancer cette mission. Tac tac, voilà. Donc la dernière fois on avait pris Luffy, si je dis pas de bêtises, hein. Ou Zoro peut-être. On va voir lequel c'est le plus haut level. On avait mis Chopper, bon d'accord. Cette fois-ci on va prendre Robin, écoutez. On vient de la débloquer. Donc on va la sélectionner. Il faut juste lui monter un peu ses stats. Donc comme ça. Voilà. On va lui mettre des pièces aussi. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. 5. Pareil pour Robin. Voilà. Zoro. Ah non, il y a Wapol. Donc 1, 2, 3. Ensuite Zoro. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oh là, putain, il y en a 15 en mètres. Est-ce que j'en aurai assez? Putain, 9. Oui, j'en ai. Non, putain. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il manque une, c'est pas grave. Donc 2 de Nami. Bon, j'en ai 6 donc ça va. Ensuite, tac. Voilà. Là bon, il n'y a rien à mettre. Pourquoi Franky au fait Ouais, bizarre. C'est bon. Donc voilà. Et on peut le lancer donc. Ah oui, quand elle débarque, elle débarque. Putain, par contre, ça va le décolleter, Robin, pas trop abusé, hein. Donc, quand elle débarque sur le bateau, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'ils font là? Les dialogues, je les passe vite, mais les trucs un peu animés comme ça, je les laisse parce que c'est toujours sympatoche. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le bateau qui tombait. C'est vrai qu'il y avait le bateau qui était tombé à côté d'eux. Putain, il est énorme en plus ce bateau. ベラミ。何だ?何の真似だ?スタッパー。その質問ね。よし。覚悟できてんだな。 Bon, ça c'est quand le fils il se laissait taper par Bellamy en fait dans le bar. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Barbe Noire aussi. Mais à ce moment-là, du manga, on savait pas trop encore que c'était, voilà. On croyait que c'était un gars normal, quoi. この夢は終わらねえ!
Bon voilà, les 8 bulles de tech qu'on passe. C'est parti pour la mission, bon. Alors, on est où? On est là, donc tac 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 tac. Tout est bon, c'est quoi déjà? Non, c'est pas ça, voilà, c'est là. On va lui mettre un truc, donc on peut pas mettre ça, voilà. Donc, on peut lui mettre... Je sais pas, on va mettre ça, écoutez. C'est parti. What? Ah mais ça, c'est les ennemis spinels. Bon alors, il faut aller ici. Il y a le petit chef. Oh, c'est un nouveau lui, hein. Il n'y était pas dans les autres One Piece. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas, moi. Alors, c'est vrai que le gameplay de Robin, genre, elle peut frapper en marchant, donc c'est assez spécial quand même. On va capturer la zone, écoutez. C'est parti. Alors, on a qui en partenaire? D'accord, on a tout ça. On va faire la technique. Toujours la même. Hein. Alors, ouais, non, mais de toute façon, on en a qu'une de technique. Mais je me rappelle dans les autres One Piece, sa deuxième technique, elle était pas trop bien, quoi. Enfin, elle ciblait qu'une seule personne, du coup, c'était pas trop top. Bon, elle faisait beaucoup de dégâts, mais bon, c'était qu'une seule personne. On va prendre la zone, tranquillement. Après, on va utiliser le Kizuna pour voir un peu ce que ça se donne avec Robin hein, aussi. Mais des taquets. Oh, waouh. Voilà. J'ai quasiment capturé la zone là. Il y en a qui apparaissent là. Voilà. Là aussi. On va faire ça. Nickel. Bon, on a capturé cette zone. Donc maintenant, bon, on va prendre le petit coffre ici. Voilà. Donc on sort et on va où? On va tuer le chef. Il y a un chef à gauche, là, je sais pas si vous voyez. Si vous voyez quand même, c'est un gros rond rouge. Si vous voyez pas, il y a un problème. Hein. Donc on va utiliser Kizuna, écoutez. Faut pas hésiter à l'utiliser, en fait, parce que ça se charge hyper rapidement. Et puis c'est cool, ça fait beaucoup de dégâts. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on gagne masse thune aussi. C'est trop cool. Regardez. Les dégâts. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des ennemis avec des points d'interrogation, donc j'y vais. C'est qui lui? Vas-y, je vais faire ça ici. Avec Luffy Senpai. Wow, j'en ai tué combien là? 249, ok. C'est que j'adore ce truc de Kizuna, c'est vraiment trop bien quoi. On va changer de partenaire par contre. On va mettre Nami, hein. Moi ça fait genre Robin Nami, les deux fifilles, là. Voilà. Pourquoi y a pas... On n'a pas le droit d'avoir... Enfin, on peut pas changer Chopper ou Sop et tout en soutien. On doit pouvoir le faire, peut-être. Enfin, je pense qu'on peut le faire, mais... Je sais pas comment. Enfin, ou alors non, ça doit être imposé pour la mission, mais on doit pouvoir le changer dès qu'on fait des missions libres, en fait. Je pense. Ça doit être un truc comme ça. Voilà. C'est vrai qu'on a pas beaucoup de combos avant niveau 24 quand même. Enfin on en a mais pas aussi diversifié que ce qu'on voudrait. Bon là il y a le deuxième à battre. Elle est cool cette map sérieux. Moi j'aime bien. Salut toi. Et tu m'attends. Voilà. Tienfluru. Non. Barrez-vous avec vos canons là. Avec... Voilà. Voilà pourquoi je... Ah non mais... Oh il est stylé son gameplay à lui. Il se bat avec un genre de couteau. Il y a un flingue. J'aime bien. Ouais, c'est stylé. Voilà, donc on l'a battu. On va finir les autres. Ensuite, il en reste un là. Bon, il en reste deux à vite fait qui ont peur. Ensuite, putain, la tête qu'ils ont, ils sont bizarres un peu. Bon, en attendant, je capture ça. C'est quoi déjà sur la rue? Ah, oui, c'est vrai. C'est trop cool ça. Ah là il y a un chef qui est apparu. Donc on va y aller. En plus c'est la mission. Ah bah maintenant dès qu'on fait des missions, à chaque fois ils mettent l'icône du bateau en haut à droite là. Je sais pas trop si ça servirait un jour, mais c'est un peu inutile en fait.
Allez, bientôt la jauge de Kizuna avec Nami. Oh. Normalement, il n'y aura pas que Nami, il y aura aussi Zoro et Luffy, je pense. Voilà. Oh, les dégâts en vrai. Je fais masse damage. Alors, un petit chef ici. Shenflul. T'as les dégâts? J'ai quasiment tué en une attaque. Bon, après, vous me direz, c'est l'attaque spéciale aussi. Il y en a encore deux autres là. C'est parti. Oh, j'aimerais bien avoir la jauge de Kizuna là parce que je ferais un massacre. Allez, encore un tout petit peu, il faut la charger. Non. Je vais charger la jauge de Kizuna, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon, elle est chargée. Alors là, vous allez souffrir. Ah non, c'est avec Zoro alors qu'il y a. Oh, regardez là, je fais comme ça, et là je fais ça. Ça devrait gérer, je pense. Voilà, j'ai fait le ménage. Alors, j'ai mis combien? Il l'affiche pas? Non, ils veulent pas. En tout cas, j'ai gagné 68 000. Donc j'ai dû en tuer beaucoup, beaucoup. Voilà. On va capturer la zone en attendant qu'ils nous disent ce qu'on doit faire. Ah ben, un petit dialogue. Avec qui? Avec des pirates. Ok. Ah oui, c'est vrai que sa prime, elle avait monté jusqu'à 100 millions de guerriers. Et Bellamy, à ce moment-là, je crois, elle a 46 000, je crois, un truc du genre. Si je dis pas de bêtises. Un truc du genre. De toute façon, vous me reprendrez dans les commentaires, comme d'habitude, si je me trompe. Ouais, Thomas, c'est faux ce que tu dis, t'arrêtes de dire de la merde. Voilà, on fait le ménage. C'est trop cool, quand même. Enfin... C'est trop cool. Je crois qu'il est bien ce gameplay, mais genre celui de Robin de 2 ans plus tard, il est encore mieux, il me semble. Ou alors c'est le même, peut-être, je sais plus. Robin, c'est pas un perso que j'ai beaucoup joué dans... C'était quoi déjà, d'ailleurs, son truc? Oh, t'es trop stylé! Allez, on la laisse comme ça, c'est bon. On la laisse comme ça, Robin. Ouais, et genre, Robin, c'est un perso que j'ai pas beaucoup joué dans les Pirate Warriors, en fait. Et je me rappelle même plus de son gameplay dans Unlimited World Red. Voilà. Non, tu me laisses tranquille, ça va, oui. Voilà. Allez, mourez. Alors que... Ah non, attends. Il y a un chef à tuer, là, en fait. La mission, c'est de tuer le chef. Donc, on y va. Les zones, on le fera juste après. Ah non, par contre, là, je suis passé du mauvais côté, en fait. Que là, je me suis pas trop trompé en fait. Hein. Bon, allez, on fait le tour, on va se balader pendant un petit peu. Un petit peu de temps. Cette map, elle ressemble à... Comment elle s'appelle la map déjà? Mais en fait, c'était une map inventée dans Pirate Wars 2 aussi, du coup, je pourrais pas dire le nom. Mais elle ressemble un peu. C'était la map où on se battait contre Barbe Blanche, même. Pour la première fois dans l'histoire, contre Barbe Blanche. Voilà. Pour ceux qui voient un peu de quelle map je parle. Vous êtes sérieux là qu'il y a 4 chefs qui viennent d'arriver? Ok, pas de soucis. Hop là. Non, par contre, vous me calmez là. Vous calmez, j'ai dit. Oh putain, je l'ai chopé en l'air quoi. Voilà, il en reste 3 encore. S'il vous plaît, la jauge Kizuna. Montez là rapidement. Parce que là, je vais faire un massacre. Un massacre terrible. Ça va être l'apocalypse dans cette map. The World Blue Coffee. Donc voilà, si vous voulez aller au Blue Coffee, c'est ici les gars. Donc voilà, donc à ce qui paraît, les cafés sont pas chers. Vous pouvez aussi prendre du sirop de grenadine pour les plus jeunes, voilà. Ah oui, d'accord, avec les lunettes, ça fait comme ça. Donc. Allez, on va activer ça. C'est parti. Voilà. Il est vraiment bien celui-là. Vraiment bien, bien. Moi j'aime beaucoup. Voilà. J'ai esquivé leur attaque à eux. Voilà. Ah bah là, par contre, j'ai pas esquivé. Et vu que j'ai pas esquivé, ça me vexe, donc je fais la technique. Voilà. Et. Ouf. Oh là 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 là. Combien j'en ai tué, sérieux.
Je vais dire combien j'en ai tué. Ils veulent pas me dire. Ils veulent pas me dire, hein. Wow, c'est moi qui fais ça? Ah non, c'est pas moi. Je croyais. Donc voilà, toutes les zones sont, sont libres. T'as regardé tout le monde qu'il y a ici? C'est le membre de l'équipage de Barbe Noire. Chichu. Barbe Noire, Chich. Oh, je l'aime pas ce mec, putain. Ça me saoule. Il me dégoûte. Je l'aime vraiment pas. Wow. Il s'est passé quoi là? Bon, allez, on va le tuer. Moi, ouais, j'arrive, Barbe Noire, t'inquiète pas. C'est Burgis, ça, en plus. Celui qui était à Dressrosa pour... Il me semble. Bon, on va le tuer, c'est parti. C'est ce qu'on doit faire, là, de toute façon. C'est notre mission. Allez, on a Zoro en power. Faudrait lui mettre le héros power. Viens là. Écoute, je suis là. Voilà, je t'arrête ta technique et je t'en lance la mienne. Bon, j'ai pas fait trop de dégâts, mais c'est pas grave. On va le relancer, de toute façon. C'est surtout aussi pour bien faire le ménage avec les pirates autour de lui, quoi. Bon, on est tranquille. Pour changer la jauge Kizuna aussi. Non, mais j'ai 10 euros, la jauge Kizuna. Pourquoi vous me la changez? Wow, il a fait quoi, là? Mec, il explose, carrément. Voilà. On fait la technique. Ouais, faites bien le gros plan sur son décolleté avant de lancer la technique, c'est une très très bonne idée, ouais. Le R1, ça marche pas. Ah non, il a fait le Hero Power. Ah si, mais je l'ai réussi à le toucher quand même. Wow. Je vois rien, hein. C'est normal, là, si vous voyez rien, parce que moi non plus. On va faire encore la technique. Et normalement, il meurt. Voilà. Nickel. On va aller tuer Barbe Noire maintenant. On va lui éclater sa gueule. Un petit poulet pour nous. On a la jauge de Kizuna à fond. Vu qu'on a pris un poulet. J'arrive. Ah, mais il est parti. Sérieux? Burgess. Ouais, ça se prononce comme ça, Burgess. Ben voilà, il s'est... Oh, le mec, voilà quoi. Lui, il a de passage, hein. Ouais, salut, j'ai entendu qu'il y avait une fête. Oh, c'est nul. Bon, allez, je m'en vais. Allez, salut. Enfin, c'est un peu ça, ce qui s'est passé, hein. Bon, qu'est-ce que c'est le... Bellamy. Ce que je sais pas, Bellamy, c'est que tu vas te faire juste one shot par le fil, en fait. Bon, mais là, il y a un chef, hein. Vas-y, on va affronter. Voilà. Je vais charger vite fait une autre jauge de Kizuna. Voilà. Nickel. T'arrêtes de rigoler comme une hyène. C'est pas parce que tu t'appelles Bellamy la hyène que ça y est, hein. Non mais oh. Moi je suis pas content là, Bellamy. T'es insolent en ce moment, ça va plus, hein. Oh. Regarde. Regarde ce qui t'arrive là. Bon allez, on va aller tuer Bellamy, hein. Juste je m'amusais un peu avec lui, voilà. C'est parti. Tac, voilà. On y va. Go. J'arrive. Je vais mettre la jauge Kizuna. Je vais juste te décapiter, quoi. Non, c'est la zone en face. Putain, j'ai traversé genre 300 personnes, quoi. Salut, Bellamy. Allez, alors là, par contre, j'ai tous mes poteaux avec moi. Tu vas te faire démonter. Putain, il a déjà activé une truc de Hero Power. Le mec, trop rapide, quoi. Regardez sa vie. Oh là là, le pauvre. Et là, regardez ce qu'on va faire. On se met là, et boum.
Gamugamuna. J'avoue, j'y ai pas enlevé de vie en fait. Level up. Oh cool. 238. Ah si, mais j'y enlève pas beaucoup de vie en fait. Oui, bon, monsieur, ressort, tu te calmes. Voilà. Ça va, on le gère bien maintenant. Hein. Au niveau de la jauge Kizuna et tout, ça se passe bien. Voilà. Oh, tu te calmes. Allez, on va le tuer là. C'est parti. Boum. Là, je vais le choper avec le triangle. Ah non, je peux pas. Et là, je fais la technique. T'en as 2700 kills, quoi. C'est fou, oh là là. J'hallucine, quoi, de tous les kills qu'on fait. お前の力を知ってるか。暴れよ麦わら。おい、冗談よせよベラミー。お前は5500万の大型ルーキーだぜ。 教えてくれた場所に近いはずよ。ひし形のおっさんが言ってた通り、不思議雲が出てきたな。後悔した。六ポースはどう？ずっとあの雲を指してる。引き返そう、ルフィ。空島なんて夢のまた夢だ。そうだよな。夢のまた夢の島。こんな大冒険逃したら一生後悔すんぞ。 船体にしがみつけ。よし、これで空まで行けるぞ。行け、ベリー。砲張って、今すぐ。これは、ただの水柱なんかじゃない。立ち上る海流なの。そして、下から吹く風は、地熱と蒸気の爆発によって生まれた 上昇気流。相手が風と海なら後悔してみせる。この船の航海士は誰？ナミさんです。おお、野郎ども、すぐにナミさんの言う通りに。おお、次元から風を受けて舵は取り舵、船体を海流に合わせて。イエス。水から船が離れそうだ。落ちるぞナミ、なんとかしろ。 Thank you.
Et voilà, on a fini la mission, donc... Oh là là, rang A, ils sont méchants. Non, il peut avoir rang S. Hein. Vous êtes méchants. Bon, alors... Bon, on n'a pas pris de niveau. Par contre, on a... Bon, on n'a pas pris beaucoup aussi de ça. Là, non. Là, normal, comme d'hab. On débloque des trucs. Alors, les pièces. Ok. Bon. On les équipe pas. Elle était bien sympa la cinématique là qu'on a eu juste avant. C'était cool. Ouais, du coup là on arrive à Skypiea, voilà. Skypiea pour le prochain épisode. Donc en tout cas j'espère que cet épisode numéro 9 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo ainsi qu'un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Facebook. Voilà, pour quand je fais des lives, etc. C'est là que se passent les annonces généralement. Même si parfois je mets des petites annonces YouTube aussi. Et puis j'ai une chaîne Twitch aussi. Enfin, c'est sur la chaîne Twitch les lives. Donc je vais la mettre aussi dans la description. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera donc pour l'épisode numéro 10. Bye tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao. Oh, les wakons, Frix!